Déjà commencé à partager ce direct. Tu vas inviter tes amis. Tu sais, nous sommes tous des évangélisateurs. Nous sommes tous appelés à annoncer Christ. Donc même en partageant, par le simple partage que tu feras, tu seras en train de propager la bonne nouvelle de Christ. Tu inviteras quelqu'un à prendre part à ce temps. Alors n'hésite surtout pas. Tous les groupes auxquels tu appartiens, vas-y, partage. Partage. Pendant que tu te disposes, partage, invite, tag des personnes. Sûrement que tu n'es pas à ta première rencontre à la montagne de la transfiguration. Et tu as sûrement bénéficié de plein de bontés de la part de notre Seigneur. Alors n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à partager la vidéo. Vous savez, le pape François pouvait dire que le bien tend à se partager. Le bien tend à se communiquer. Alors communique. Partage direct et nous allons commencer. Et là où tu te trouves, tu vas te disposer. Tu sens déjà le Saint-Esprit qui est présent.
Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu vois, en Matthieu 6, lorsque le Seigneur enseignait sur la prière, il pouvait dire que de ne pas se tenir comme les pharisiens au bord des routes pour se faire entendre. Mais lorsque nous devons prier, de rentrer dans notre chambre, de nous enfermer, et le Seigneur nous rejoindra dans ce secret. Pour ainsi dire que pour entrer pleinement dans la prière, il faut que tu entres au-dedans de toi, que ton cœur soit disposé. Parce que nous pouvons bien parler, nous pouvons bien adresser des paroles à Dieu. Mais tant que ces paroles ne viennent pas de notre cœur, ces paroles ne pourront pas toucher le cœur de Dieu. Alors, dispose ton cœur. Considère la présence de Dieu. Considère la personne pour qui nous sommes réunis en ce soir. Considère toute sa splendeur. Considère tous ses bienfaits. Considère ce qu'il n'a cessé de faire dans ta vie. Et rends-lui grâce. Et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa bonté. Merci pour sa fidélité. Dis-lui merci parce qu'il te permet d'être là en ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta famille. Si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec nous. Rends grâce au Seigneur. Grâce pour sa bonté. Oh Jésus, dis-lui merci. Oh Jésus, vas-y, dis merci au Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce. Te disons merci. Tu es bon pour moi. Merci infiniment, Jésus. Merci pour notre présence. Merci Seigneur Dieu pour cette plateforme. Merci pour cette occasion. Père éternel, de ce que tu nous rejoins. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci toi qui nous gardes. Merci toi qui prends soin de chacune de nos personnes. Merci Père éternel, toi qui nous donnes de mener toutes nos activités, Seigneur Dieu. Toi qui nous donnes la force, Père éternel, d'aller au-delà de ce à quoi le monde nous attend, Seigneur Dieu. Merci en Dieu. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon.
Merci, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Jésus-Christ, toi qui ne cesses de pardonner nos fautes. Merci, Jésus-Christ, toi qui nous rends dignes de nous tenir dans ta présence. Malgré toute cette distraction, Jésus, merci de nous accueillir tel que nous sommes. Merci pour ton amour éternel. Merci infiniment, Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur, Père éternel. Merci, Seigneur, car tu es ce que tu as bien et tu nous élevé, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, pour ce que tu permets que nous puissions nous tenir, Père éternel, près de toi. Tu es bon pour mon emploi. Tu es bon, Seigneur, pour ma vie professionnelle. Merci, Père éternel, pour mon travail. Merci, Père éternel, pour mes activités. Merci, Père éternel, pour mon élan spirituel. Merci, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits. Merci, Père éternel, pour la communauté des amis de Christ. Merci pour la jeunesse ivoirienne. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ces cœurs que tu amènes dans ta présence. Merci, merci Père éternel, pour tous tes bienfaits. Merci, afin de nous prospérer et t'adorer. Merci, Seigneur, merci, pour ta vie, ta parole. Merci pour ta bonté, oui, merci, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, Seigneur, pour ta parole qui sera relâchée tout à l'heure, Seigneur. Nous t'élevons pour ce que tu es, merci pour ta parole qui sera relâchée tout à l'heure, Père éternel. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, tu viendras reprendre sur certaines choses, Père éternel. Merci Seigneur Dieu, merci pour ces beaux cœurs. Oh merci, merci infiniment Jésus. Tu es bon, merci Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, toi qui nous suis, toi qui viens de nous prendre en cours. Que le Seigneur te bénisse. En ce soir, le Seigneur nous invite à partager sur un texte tiré du livre de Deutéronome, au chapitre 7, les versets 6 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime. C'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. Tu reconnaîtras que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai. Il garde son alliance et sa fidélité durant mille générations à ceux qui l'aiment et garde ses commandements. Mais il paie de retour directement celui qui le hait. Il le fait disparaître. Il ne fait pas attendre celui qui le hait. Il le paie de retour directement. Tu garderas le commandement, les lois et les coutumes que je t'ordonne aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Donc là, en fait, nous nous trouvons à un épisode du peuple d'Israël où Moïse était juste en train de leur donner les instructions de la part du Seigneur avant de rentrer dans la terre promise. Avant d'arriver à ce verset 6, Moïse était en train de leur faire comprendre qu'il n'avait pas à rentrer en contact ou à créer une alliance avec les peuples qu'ils vont trouver sur la terre promise. Et pourquoi ? Il répond à cette question à partir du verset 6. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Oui, c'est ce message que le Seigneur a pour toi en ce soir, toi qui nous suis.
Tu es un peuple consacré au Seigneur. Tu es un peuple consacré au Seigneur. Voyez un peu plus loin. Moïse veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes le peuple le plus nombreux. Ce n'est pas parce que tu es le plus fort. Ce n'est pas parce que tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu sais tout faire. Ce n'est pas parce que tu arrives très facilement à résister au péché. Ce n'est pas parce que tu es excellent dans tout ce que tu fais que le Seigneur t'a consacré ou que le Seigneur t'a choisi. Non. C'est indépendamment de tous ces attributs. C'est indépendamment de ce que tu es capable de faire. Parce que le Seigneur sait qu'à un certain moment, tu peux faiblir. Donc la raison pour laquelle le Seigneur t'a choisi, la raison pour laquelle tu as été consacré au Seigneur, c'est simplement parce qu'il t'aime. C'est simplement parce qu'il t'aime. Simplement parce qu'il t'aime. Tu ne peux pas chercher à comprendre l'amour du Seigneur pour toi. Parce que son amour dépasse ton entendement. Son amour pour toi va au-delà de ce à quoi tu peux t'attendre. Simplement parce qu'il ne s'attend pas à ce que tu puisses faire quelque chose d'extraordinaire pour après te vanter. Non. Moïse le rappelle au peuple d'Israël. Et en ce soir, le Seigneur vient te le rappeler. On t'a longtemps dit que le Seigneur t'aime. Nous ne cessons de le répéter. Que le Seigneur t'aime. Vrai. Mais ce n'est pas parce que tu es extraordinaire. Non. Tel que tu es, le Seigneur t'aime. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Toi aussi, tu peux servir le Seigneur. Toi aussi, tu peux parler du Seigneur aux autres. Toi aussi, tu peux donner la vie de Dieu. Simplement parce que tu l'as reçu. Car Jésus pouvait dire qu'on ne donne que ce qu'on a. Tu as reçu la vie de Dieu. Tu dois la communiquer. Donc rappelle-toi juste que tu as été consacré. Vous savez, quand on consacre à quelque chose, quand vous voyez l'autel ou du moins un lieu est consacré, par exemple l'église est consacrée pour pouvoir faire les messes, pouvoir faire tout ce qui peut honorer Dieu, tout ce qui célèbre Dieu. Donc de la même manière, quand on consacre une personne à quelque chose, c'est-à-dire que cette personne est pleinement dédiée à cette chose. Quand on te dit que tu appartiens pleinement au Seigneur, c'est qu'en dehors du Seigneur, tu ne peux rien faire. Et Jésus pouvait le dire en Jean 15, verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Simplement parce que nous avons été consacrés pour appartenir à Dieu. Nous avons été consacrés pour faire la volonté de Dieu. Simplement parce que le Seigneur nous aime. Donc je veux t'emmener ce soir à reconsidérer l'amour de Dieu pour toi. Parce que je ne peux pas oublier ce que le peuple d'Israël a commis lorsqu'il était dans les déserts. Je ne peux pas l'oublier. Toutes ces fautes commises, toutes ces fois où ce peuple a récriminé contre le Seigneur. Et voici que le Seigneur, par la voix de son serviteur Moïse, vient pour leur dire qu'il les a choisis. Qu'il les a choisis malgré tout ce qu'ils ont fait. Simplement pour faire comprendre. Simplement pour faire comprendre que ce n'est pas à la suite de leurs actions que le Seigneur a décidé de les aimer. Ou que le Seigneur a décidé de les choisir.
mais simplement parce qu'il les aime. Simplement parce qu'il les aime. Toi aussi le Seigneur t'aime. Toi aussi le Seigneur t'aime tel que tu es. Le vendredi dernier, l'Église nous donnait de célébrer le Sacré-Cœur de Jésus. Voyez, l'amour que le Seigneur a pour nous, on ne peut le comprendre. Il n'est pas intéressé. Il n'est pas conditionné. Donc, l'amour manifesté par le Seigneur pour nous ne peut provenir que d'un cœur qui est sacré. Donc, je pense pour ma part que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église a déclaré que le cœur de Jésus est sacré. Que le cœur de Jésus est sacré. Toi aussi, tu peux avoir un cœur sacré. Pourquoi? Parce qu'un cœur sacré, c'est un cœur qui aime éternellement. Toi aussi, tu peux aimer éternellement. Mais pour y arriver, il faut que tu sois connecté au cœur qui est déjà sacré. C'est-à-dire le cœur de Jésus. Un peu plus loin dans le passage que j'ai lu, Moïse pouvait dire que tu reconnaîtras le Seigneur ton Dieu, l'unique, le vrai Dieu. C'est une invitation à la louange et à l'adoration. Car dans la louange et dans l'adoration, il y a un transfert qui s'effectue entre notre cœur et le cœur de Jésus. Il y a un changement qui s'opère entre notre cœur et le cœur de Jésus. Donc Jésus, qui a un cœur sacré, nous communique son cœur, cette vertu de son cœur qui est sacré. Donc lorsque nous sommes en train de louer et d'adorer Dieu constamment, ce transfert s'opère et au fur et à mesure, commençons à voir les germes et les prédispositions pour aimer Dieu, pour aimer nos frères éternellement. Cela ne s'arrête pas qu'à là. Parce que pour que cela soit effectif, il faut que nous puissions mettre cela en pratique. Mais tout part de l'adoration. Tout part de notre cœur. Tout part du fait que nous sommes capables de reconnaître que Dieu est l'unique et vrai Dieu. Tout part du fait que nous sommes capables de célébrer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Tout part du fait que nous sommes sincères dans nos temps de louange et d'adoration. Donc ce soir encore, nous allons essayer de toucher le cœur de Dieu par l'adoration. Nous allons nous connecter au cœur sacré de Jésus afin que nous puissions recevoir ces prédispositions, ces germes qui rendront notre cœur sacré. Donc tu vas te disposer pour que nous puissions rentrer dans ce temps d'adoration. Tu vas déjà commencer à contempler Jésus, son cœur sacré. Tu vas commencer à contempler son cœur sacré. Ce cœur qui t'aime malgré tout. Ce cœur qui est prêt à te recevoir, à t'accepter tel que tu es. Ce cœur qui veut que tu aies un cœur semblable, un cœur pareil. Et tu vas commencer à élever le nom du Seigneur. Pendant que nous serons en train de chanter le cantique, tu vas simplement laisser ton cœur
se connecter à celui de Jésus. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par une profonde concentration. C'est simplement par une disposition de ton cœur. Simplement par une disposition de ton cœur. Simplement par une disposition de ton cœur. Alors, laisse ton cœur rejoindre le Seigneur. Laisse ton cœur rejoindre le Seigneur. De contact entre ton cœur et celui de Jésus. Le Saint, je viens dans le Saint des Saints. Seigneur, nous venons dans le Saint. Prosterné devant toi, l'agneau. Prosterné devant toi, de Dieu. Oh oui, laisse-moi poser mon regard dans cet océan. Comme tu viens de le dire, Seigneur Dieu, dans ta parole. Seigneur, laisse-moi plonger mon regard dans cet océan d'amour. C'est simplement par ton amour, Seigneur Dieu, que je parle de sa vie. Et que tu me donnes, je viens dans le Saint des Saints. Cette grâce-là de me toujours dans ta présence. Dans le Saint des Saints. Je viens me procéder. C'est pourquoi je viens me prosterner devant toi, Seigneur Dieu, pour t'adorer. L'agneau de Dieu, me prosterner devant toi pour t'adorer. Laisse-moi plonger. Me prosterner devant toi pour te célébrer. Plonger mon regard dans cet océan. Dans cet océan d'âme. Jésus. En ta présence, en ta présence, en ta présence, je guéris. En ta présence, en ta présence. En ta présence, en ta présence, je n'ai plus peur.
n'ai plus peur. Reconnais que c'est dans sa présence que tu guéris. Reconnais que c'est dans sa présence que tu as la paix. Reconnais que c'est dans sa présence que tu n'as plus peur. Reconnais que c'est dans sa présence que tu as la force à laquelle tu as aspiré. Dans ta présence, en ta présence, en ta présence, en ta présence, je guéris. En ta présence, en ta présence, en ta présence, Seigneur. En ta présence, je n'ai plus peur. En ta présence, en ta présence, en ta présence, en ta présence, je n'ai plus peur. En ta présence, en ta présence, en ta présence, Seigneur, en ta présence, la présence, j'ai la vie, en ta présence, en ta présence. De ton cœur vers Dieu. Je n'ai plus peur. En ta présence. En ta présence. En ta présence. Laisse cette paix de la présence du Seigneur te rejoindre. En ta présence. Voilà, voilà, voilà. Voilà pourquoi je veux. Oh Seigneur, c'est la raison. C'est la raison, Seigneur. C'est la raison. Oui, Abba, je veux être avec toi. Être avec toi. Emmanuel. Seigneur, je te connais. Seigneur, tu me connais. Être avec toi. Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes là. Tu sais pourquoi je veux vivre dans ta présence, Seigneur Dieu. Être avec toi. Voilà, voilà, voilà. Voilà pourquoi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je veux vivre avec toi. Je veux parce qu'être avec toi, Seigneur Dieu, me rassure, me donne d'avancer malgré tout. Me donne de ne pouvoir me séparer. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Dis au Seigneur que tu veux être avec nous. Je veux être avec. Dis-lui que tu veux rester avec lui, que tu veux rester dans sa présence. Pour moi, je veux. Tu sais, tu as longtemps cherché hors de Dieu. Et tu n'as pas trouvé ce que tu recherchais. Simplement parce que ton cœur est consacré au Seigneur. Et ton cœur doit chercher Dieu. Et tu te trouves là au bon moment, au bon endroit. Alors explique. Avec toi, ton désir au Seigneur, celui de rester dans sa présence, celui de rester dans sa présence. La roue à moi, la roue à moi, je veux. Vous voyez, dans le psaume, David a pu dire qu'il ne demande qu'une chose au Seigneur, qu'il la désire ardemment. De demeurer dans la présence du Seigneur. C'est de demeurer dans la maison du Seigneur. Seigneur, c'est de rester près de toi. Afin de le contempler. Afin de le contempler. Et Paul aux Corinthiens de dire que plus nous contemplons Jésus, plus nous commençons à lui ressembler. Alors comme David, que ton désir en ce soir soit de glorifier Dieu, de le contempler, de lui donner toute la gloire, de lui donner toute la gloire. Vas-y, exprime ce désir au Seigneur. Vas-y, exprime ce désir au Seigneur. Vas-y, exprime ce désir au Seigneur. Seigneur, c'est avec toi que je veux rester pour te glorifier, pour te célébrer, Seigneur Dieu, pour te contempler vers l'éternel. Ta
vers ta parole, mon Seigneur, Seigneur Dieu. Que qui tourne son regard vers toi et reste grandissant. Reste grandissant, Père éternel. Je veux demeurer dans ta gloire. Je veux demeurer dans ta gloire, Seigneur Dieu. Nous élevons,
es glorieux, Seigneur. Tu es digne de régner. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Instrument, on va dire, car il est glorieux, car il est glorieux, il est glorieux, glorieux, est digne de régner, est digne de régner, oh l'agneau est souverain, c'est pourquoi. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est souverain. C'est pourquoi prosterné, nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Magnifique lorsqu'on élève ce Dieu, car il est glorieux, car il est glorieux. Bien-aimé, élève-le, élève-le au-dessus de tout. Confesse que Jésus est souverain dans ta vie. Confesse qu'il est souverain. Il est souverain. Regarde toutes ces fois où tu as voulu gérer les choses de toi-même. Et toutes ces fois où tu l'as laissé gérer. Regarde la différence. Et dis au Seigneur qu'il est souverain. Élève-le au-dessus de tout. Élève-le au-dessus de tout. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est digne de régner. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Père, reçois l'élévation, reçois la force, reçois la majesté. Seigneur, regarde, nous avons tout laissé, nous sommes en ta présence. Seigneur, prends
pendant que je dis que tu es souverain, pendant que mon cœur le confesse, remplis mon cœur de toi, remplis mon cœur de ta vie, Seigneur. Remplis mon cœur de ta vie, Seigneur. Tu es souverain. Oui, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se dresser devant moi, tu es souverain. Tu es fidèle. Tu es amour, Seigneur. Tu es puissant. Tu es grand, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, reçois la douleur. Seigneur, toutes les fois où j'ai constaté ton agir dans ma vie, reçois la force. Reçois la puissance. Reçois l'élévation, mon Seigneur Dieu. Tu es grand. Tu es grand. Mon cœur considère tout l'univers et à ton pouvoir. Le ciel d'azur éclaire le tonnerre. Laisse ton cœur être reconnaissant. Le cœur m'attire. Laisse ton cœur magnifier le Seigneur. Les ombres du soir. On y va ensemble, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Quand mon cœur considère. Tout l'univers. Tout l'univers. Créé par ton pouvoir. Créé par ton pouvoir. Le ciel azur. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, les ombres du soir, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, comme mon cœur considère. Pendant que tu le dis, réalise-le. Pendant que tu le dis, réalise-le. Utilise ton imagination et réalise-le. De tout mon être, Seigneur, de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, de tout puissant. Oh, que tu es grand, Seigneur, que tu es grand. Que tu es grand. Oh, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. De tout puissant, Seigneur, tu es grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Pas comme je te vois, Père éternel. De là même, Seigneur, de ma vision. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu dépasses mon entendement, Père éternel. Que ce soit la grandeur, Seigneur Dieu, que j'ai pu te donner, Père éternel. Tu vas au-delà de cela, Seigneur Dieu. Tu vas au-delà, Père éternel. C'est pourquoi je veux chanter ta grandeur, célébrer ta grandeur ce matin, Père éternel. Car, Seigneur, tout ce que je ne cesse de faire dans notre vie est grand, Seigneur Dieu.
tout est grand, tout est grand, Père. Toutes ces montagnes, tout est grand, tout est grand, Père. Galère, Seigneur. Tout est grand, je ne veux rien que soit petit, Père éternel. Tu es mon créateur. Tu es l'unique Dieu de ma vie. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique. Seigneur, tu es l'unique, l'unique. À part toi, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a point d'autre Dieu. En entendant ces cantiques, du moins ces paroles de ce cantique, c'est comme un appel qui t'est adressé. Comme si Dieu t'appelait. Il n'y a point Dieu. Et tu te rends compte du fait que longtemps tu es resté loin de Dieu. Longtemps tu es resté loin de Dieu. Et le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Alors si tu entends sa voix, ne détourne pas ton cœur. Il est l'unique Dieu. Tu t'es adonné à ses pratiques comme les bédous magiques ou les phénomènes de broutage. Tu t'es adonné à des pratiques sexuelles qui ne t'ont conduit à rien. Et en ce soir, tu entends cet appel du Seigneur. Il te dit, je suis l'unique Dieu. L'unique et vrai Dieu. Entends ma voix. Alors ne résiste pas. Saisis l'opportunité. Et donne-toi tout entier au Seigneur. Réponds favorablement à son appel. Tu es l'unique. Ce n'est pas sûr que tu auras une autre occasion. Alors réponds et confesse-le. Confesse-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai cherché partout. J'ai cherché la protection partout. Tu es l'unique. J'ai cherché le travail partout, Seigneur. Et chercher à me suffire moi seul. Il n'y a point d'autre. Mais Seigneur, ce soir je reconnais que tu es l'unique Dieu. Tu es l'unique Dieu. Que tu es l'unique Dieu. Oui, tu es l'unique. Vas-y, parle au Seigneur. Yahweh. Vas-y de là où tu es, parle au Seigneur. Il n'y a point d'autre. Parle au Seigneur. Je vois le cœur de quelqu'un tu être rempli. Qui prend soin de nous. Oh yes. Tu es l'unique. Cette personne se rend compte de combien le Seigneur est grand. Toi, de combien le Seigneur est bon. Et elle se dit, mais j'ai perdu le temps. Tu es mon libérateur. Tu es. Mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur s'est rattrapé. Alors accepte-le. Et confesse-le. Dis qu'il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Tu es mon créateur. Tu es l'unique. Tu es cette personne qui, longtemps, a demandé à Dieu de te guérir. Longtemps tu as demandé à Dieu de te guérir. Cette maladie dure depuis bien longtemps. Et tu as demandé au Seigneur de te guérir. Tu as prié. Mais jusque là rien. Et tu es retourné voir les marabouts. Tu es retourné voir d'autres personnes qui t'ont proposé de te laver par certaines choses. Mais rien.
Et ce soir, tu nous suis. Et le Seigneur est en train de te redire son amour. Et tu réalises que tu pourrais chercher ailleurs. C'est seulement Dieu. Que tu pourras avoir non seulement la guérison, mais aussi la paix. Celui qui me satisfait. Alors laisse le Seigneur te rejoindre. L'unique. Laisse ton cœur exprimer qu'il est l'unique Dieu. Laisse ton cœur le dire. Il est l'unique Dieu. Il est le vrai Dieu. Mon créateur. Tu es l'unique. Il est le vrai Dieu. Papa, toi. Il est le vrai Dieu. Il n'y a point d'autre. Alors laisse-le par ce cantique. Le Seigneur rejoint deux catégories de personnes. L'une qui a sombré dans l'alcool et l'autre qui a sombré dans la drogue, simplement parce que ces personnes recherchent un réconfort. Mais ces personnes se sont rendues compte que jusque-là, rien. Tu te rends compte que jusque-là, rien, je dis rien. Et c'est devenu pour toi comme un passe-temps. Ce qui devait te donner le réconfort, en fait, tu es devenu pleinement dépendant. Et tu n'as aucun réconfort. Parce que lorsque tu sors de là, tout te revient. Tout te revient. Et en ce soir, tu commences à te rendre compte que le Seigneur, il est tout pour toi. Vous voyez, il a pu dire dans sa parole, dans le livre de Matthieu, que venez à moi, vous tous, qui ployez sous le poids d'un fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. C'est seulement Dieu qu'on peut avoir le repos. C'est seulement Dieu qu'on peut avoir le réconfort. Vous voyez, le vendredi, j'écoutais un enseignement et il était dit que nos choix vont gouverner notre vie. Nos choix gouvernent notre vie. Nos choix gouvernent notre vie. Le temps finit par toujours nous rattraper.
et partout tu nous fais comprendre si nous avons fait le bon ou le mauvais choix. Mais ce soir, je veux t'inviter à faire le bon choix, celui de Jésus. Il est tout pour toi. Alors avec les fardeaux, avec tout ce qui te fatigue, viens et dépose tout cela au pied de Jésus et dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Merci Seigneur pour ce réconfort que tu accordes à tes enfants. Merci pour ce que tu leur rejoins. Merci pour cette paix du cœur que tu accordes à cette jeune fille, Seigneur. Tu es tout pour moi. Merci infiniment, Seigneur, toi qui es tout pour nous. Tu es tout pour moi, Seigneur Dieu. Tu es tout pour la jeunesse ivoirienne. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
chemin me lent. Le Seigneur, par son esprit, conforte quelqu'un. Qui était sur le point d'abandonner la religion chrétienne. Simplement parce que cette personne était sous pression dans son environnement. Elle n'arrivait plus à résister. Mais le Seigneur, par son esprit, vient te fortifier. Le Seigneur, par son esprit, vient te fortifier. Et te demande simplement de toujours élever la voix vers lui. De toujours élever la voix vers lui, demeurer dans sa présence. Il est toujours là pour toi. Il ne t'a jamais abandonné. Son esprit est là pour toi, simplement. Rappelle-toi que le Seigneur est là pour toi. Et ne baisse pas les bras. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te glorifier. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te prier pour la jeunesse ivoirienne. Nous voulons te confier la jeunesse ivoirienne. Que tu sois le bien le plus précieux de la jeunesse ivoirienne. Alors de là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier. Pour que le cœur de la jeunesse soit tout tourné vers le cœur de Jésus. Tu vas prier pour que le cœur de la jeunesse soit tout tourné vers le cœur de Jésus. Tu vois, au début, nous avons dit que nous avons été consacrés. Nous appartenons au Seigneur. Tant que le cœur des jeunes sera tourné vers autre chose, nous n'aurons pas la paix. Alors toi qui as expérimenté cette paix en ce soir, toi qui as expérimenté à nouveau l'amour de Dieu, j'aimerais que nous puissions par ce cantique, demander au Saint-Esprit de venir tourner le cœur de la jeunesse vers le cœur de Jésus. Yeah.
Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, merci, merci pour tous tes bienfaits, merci Seigneur Dieu pour nos cœurs que tu as rejoints, merci Seigneur Dieu pour toutes ces personnes que tu as visitées, merci pour ce temps, et nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui rendre grâce pour ce temps, nous allons lui dire merci pour ses bienfaits, de là où tu te trouves, élève la voix, rends grâce à Dieu. Pendant que nous sommes en train de chanter, si tu connais le cantique, tu nous chantes avec nous. C'est juste pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Juste pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, pour ces âmes qu'il a restaurées, qu'il a consolées, pour les vies qu'il a transformées, pour ces cœurs qu'il a ramenés dans sa présence, pour le courage qu'il a donné à certains. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, car tu nous donnes de nous tenir en ta présence afin de former la nouvelle génération qui te célèbre en tout temps et en tout lieu. Béni sois-tu, Père éternel,
car tu nous donneras au sortir de ce temps de demeurer toujours dans ta présence, d'avoir toujours notre cœur connecté au tien. Oui, tous ensemble, tous ensemble, devant nous, suivant le mouvement de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint qui descend sur nous. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, si tu as été touché par ce temps que nous venons de passer, je vais simplement te demander de continuer de partager encore la vidéo, parce que quelqu'un d'autre après peut regarder. Donc, partage la vidéo, n'hésite surtout pas. Que Dieu te bénisse pour l'action que tu mèneras et que ton cœur demeure toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous donnons rendez-vous le mercredi sur la montagne de la Transfiguration. Amen.